Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Definitely et aujourd'hui on va entamer ensemble le cours le plus important au module de la sémiologie cardiovasculaire, c'est le cours de l'ECG qui est destiné pour les étudiants de la troisième année de médecine. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue, activez les notifications pour que vous puissiez et rentrez le lien de la chaîne tel Telegram et l'Instagram dans la boîte d'infos et vous pouvez mettre les questions dans les commentaires et c'est parti. Salam alaikum. Comme définition, c'est quoi le sujet? C'est l'enregistrement sur papier de l'activité électrique cardiaque transmise à la surface du corps. Donc, on va placer des électrodes au niveau thoracique et au niveau des membres du patient, les membres supérieurs et inférieurs, sont reliés avec l'appareil de l'électrocardiographie et qui contient un papier millimétrique qui va donner le tracé de l'activité cardiaque. Avant toute chose, il faut préparer le patient par raser les poils pour les hommes, préparer la peau par un gel qui facilite les électrodes au niveau cutané, éviter les mouvements du patient dans le patient en état de repos et relaxé, et les interférences qui vont perturber les résultats, comme les pièces de monnaie, comme par exemple le téléphone portable et la ceinture. Et vérifier les câbles, mais quand je dis des câbles, ouais, vous avez deux manches, je fais blast V5 ou Yakimak, c'est beaucoup plus les fautes, sauf les électrodes des membres supérieurs et inférieurs. Mais là, par exemple, l'électrode à la jambe gauche, et qu'on fait le poignet droit ou Yakimak, parce qu'il n'est pas là de les couleurs. D'accord? On a droit à les dérivations du cœur, on a deux types de dérivations, on a les dérivations des membres et les dérivations précordiaques. Donc, pour les dérivations du membre, il explore le champ électrique cardiaque dans le plan frontal. D'accord? On a deux types de dérivations du membre. On a la dérivation bipolaire et les dérivations unipolaires. Pour les dérivations bipolaires, un instrument bipolaire, donc, elle va mesurer le champ électrique ou le flux électrique entre deux parties. Donc, on a trois marages. On a le bras droit. D'accord, le bras gauche et le jambe gauche, les membres inférieurs. Donc, on peut sur le flux électrique ou le flux de la charge, la différence de la charge électrique entre le bras, par exemple, là, on a un entre le bras droit et le bras gauche. Donc, le bras droit est négatif, le bras gauche est positif. On calcule, on a la différence de la charge, je veux dire, les deux positions, on a une charge différente. Je vais donc préciser la différence. Je sais qu'on a un juge positif ou un juge négatif. Donc, ma dernière. Des deux, elle va mesurer la différence de la charge entre le bras droit et le négatif et le jambe gauche et le positif. Des trois, entre le bras gauche et le négatif et le jambe gauche et le positif. D'accord. Et il va donner le tracé de D1, D2 et D3. Les chemins, donc, sont les dérivations bipolaires. Pour les différentes dérivations unipolaires, on va donner le tracé de l'AVR, l'AVL et l'AVF qui fait. Donc, pour obtenir un tracé, seulement les dérivations unipolaires, donc, pour obtenir un tracé d'amplitude similaire aux trois dérivations bipolaires, donc, les trois, elle va donner le triangle d'Étoven, d'accord, où le cœur est les deux positions centrales. Le cœur, elle va propager le flux électrique vers les différentes places, puis les charges positives et négatives, qu'il y a une interaction entre les différentes membres et qui va donner ce triangle et va donner à le sujet les différentes traces des 1, des 2 et des 3. D'accord, pour les dérivations unipolaires on a deux types de dérivations unipolaires et bipolaires. Pour les unipolaires, les même intensité ou le même amplitude qui est bipolaire, il faut amplifier l'intensité interne puis qu'on nous et va donner un résultat correct. Donc il faut amplifier l'intensité des dérivations unipolaires qui va donner, par un flux électrique, qui va donner l'AVF, l'AVR, c'est pour right arm, left AVL et
F-foot. Enfin, c'est un mot de la dénomination anglaise. Ces six dérivations, les hommes D1, D2, D3, AVL, AVR et AVF, sont dans le même plan, le plan frontal. La translation de leur axe au centre du triangle dit en 20, qui m'a dit que les 6 D1, D2, D3, AVL, AVR et AVF, et le cœur en position centrale qui va donner la charge électrique. Donc, permettez de construire un système de coordonnées. Donc, c'est mon win le cœur et le hof central et les autres icônes va donner des interactions coordonnées pour donner les tracés. Utile au calcul de l'axe de vecteur d'activation, l'axe du QRS, l'axe du QRS, dans le plan frontal. Parce que dans le même plan. Puis, on a droit à les, qui m'a dit, le sujet fait 12 dérivations. هضرنا صاي عن لي سي ديريفاسيون لوني اللي هما في البلان فرونتال راح نهضروا على لي سي ديريفاسيون اخرين اللي هما لي ديريفاسيون بريكورديال دونك لي ديريفاسيون بريكورديال هي سون لي ديريفاسيون توراسيك في دير لي الكترود كي سون مي او نيفو توراسيك c'est beaucoup plus au niveau des feuilles d'auscultation, d'accord? V1, V2, V3, V4, V5, V6, d'accord? Quel est le cas où on utilise pour mieux explorer l'état du patient lorsqu'elle est très altérée? On utilise jusqu'à V9, mais le film à tête, nous utilisons jusqu'à V6. Le sujet standard est comporté par au minimum de 12 dérivations. Si dans le plan frontal, c'est la résumée, si dans le plan frontal sont les dérivations du membre, unipolaire et bipolaire, et si dans le plan horizontal sont les dérivations précordiales ou les dérivations thoraciques, de V1 jusqu'à V6. Puis on va parler sur la façon physiologique de la propagation de la charge électrique. On a physiologiquement on a deux phénomènes. On a la dépolarisation myocardique, ou la phase de diastole, donc les deux noms, on a la dépolarisation, ça veut dire le systole, donc c'est l'éjection du sang vers les organes, puis la repolarisation, c'est le diastole. Je dis comme ça, la fchedane, repolarisation, il y a repos. Parce que le cœur qui fait la phase de diastole, il est ou la phase de remplissage, à répondre en état de repos. D'accord? La dépolarisation myocardique se fait principalement de l'endocarde, la couche la plus interne, vers l'épicarde, la couche la plus externe. Donc c'est une onde positive. Mais la repolarisation se fait de l'épicarde vers l'endocarde. D'accord? L'activité électrique cardiaque normale prend naissance dans le nœud sinusal. Donc, il y a un peu comme le, parce que le schéma est petit. Je vais un peu comme le barra. D'accord. Il y a un peu comme le qui fait les charges électriques. راح تتحركنا داخل الكور. هذا هو الفائدة كل فائدة الكور. أنا بالنسبة لي أنا هذا هي الفائدة. إذا فهمت هذا راح تفهمون بعد اللي تخصي ده للسوجي. Donc, راح نعطوكم une petite cas clinique. باش تفهمون كيفاش le cœur يخدم. Par exemple, un patient, j'ai comme un patient qui fait un accident. Puis, j'ai comme l'urgence, il présente un mort cérébral. D'accord? Maintenant, le cerveau m'a acheté de commander les différentes parties du corps. D'accord? Mais, qui est le diagnostic du mort cérébral, غادي نشوفوا في المونيتورينغ هذيك لاباراي اللي تكون اللي تبين فريكونس اسبيراتوار كاردياك اي لو تراسي تاع تاع لو كور دو باسيون تاع لا ريسبيراسيون راح تبين لكم بلي كاين اون باتمون دو كور هنا كيفاش احنا نعرفوا بلي لو كور راح يكون مربوط بلو سيستيم نيرفو سنترال اي بيريفيريك بيريفيريك اللي هو سيستيم نيرفو اوتونوم سامباتيك اي باراسامباتيك سولون les conditions, parce que par exemple en cas des émotions matal farha bzaf ou la qalq bzaf hatta la pression artérielle, d'accord, mais l'état du contraire a une bradycardie, معناتها le système nerveux elle va commander l'activité cardiaque, mais là en cas du mort cérébral on a aussi une activité cardiaque,
Pourquoi? Parce que le cœur, l'automaticité, sans recommandation de système nerveux. L'automaticité qui va tester un générateur d'électricité, les cellules nodales qui va propager le flux électrique les différentes régions du cœur et qui sont propagées par ces fibres. Et on a les cellules myocardiques. Cellules myocardiques, le flux cardiaque et les phénomènes électriques de systole et de diastole. D'accord. Qui va le flux électrique? Le point de départ est le sinusal. D'accord. Puis, elle s'est propagée de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. Maintenant, le flux électrique arrive la partie supérieure ou l'étage supérieur du cœur, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Les deux oreillettes sont le champ électrique sont transmis à leur paroi. Puis, le nœud auriculo-ventriculaire d'Atawara. Donc, le nœud a deux activités. Une activité de blocage, d'accord, et une activité, bien sûr, de transmission. D'accord? L'activité de blocage, le flux électrique, il faut l'étage supérieur, l'étage inférieur de quelques millisecondes, puis le repos cardiaque. D'accord? Je me ça une défaillance des différentes parties du cœur, mais ça lâche un épuisement. Puis la transmission, il faut le flux électrique à partir de nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau du. Le faisceau du His fait deux branches, branche droite et branche gauche. Puis, donc, le flux électrique arrive entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Puis, le flux électrique arrive entre le faisceau du Purkinje pour les différents étages et parties le cœur. Notez bien, le myocarde est le plus épaisse. Les cellules myocardiques sont très nombreux au niveau du ventricule gauche que le ventricule droit. D'accord, qui marque, j'espère, Narjo. D'accord. Ça y est, on a fait le schéma. Puis, la conduction électrique dans le cœur, les images, les différentes ondes, l'onde P, le complexe QRS et l'onde T. Donc, la définition physiologique, tu as les différentes ondes au niveau de la physiologie, d'abord par le début de l'onde P, d'accord, signifie le champ électrique, elle est dans le nœud sinusal. Mazal localisé au niveau du nœud sinusal, qui veut dire le début de l'excitation auriculaire. L'oreillette droite et le flux électrique. Puis, lorsqu'on veut terminer l'onde P, le flux électrique a fait l'oreillette gauche et ça a un blocage. Le retard de l'influx auriculo-ventriculaire, blocage par par le nœud auriculo-ventriculaire, je veux dire le repos cardiaque. D'accord? Maintenant, l'étage supérieur, le flux électrique, l'étage inférieur, mazal. L'onde ou l'espace PR, qui est entre la fin de l'onde P et le début du QRS, راح نلقاو باللي فات لو فلو الكتريك راه صار اون باساج داكوغ راهو فات من لو نو اوريكولو فونتريكولار دخلنا لو فيسو دو هيس في لو دو برانش تاعو دروات اي كوش دونك ليطاج انفيريور وصلو لو شون الكتريك
Puis le complexe QRS, c'est l'excitation ventriculaire complète. Maintenant, je te fais le Purkinje et les oreillettes, partielle, et les deux ventricules, où ça te donne la charge électrique de façon complète. D'accord? On a donc l'interprétation d'un sujet. L'interprétation d'un sujet doit être toujours tenir compte des données cliniques du patient. Il faut prendre le nom, le prénom, l'âge du patient. Parce que un enfant, les résultats intérieurs comme un adulte, la femme, mais qui m'a l'homme. Donc, les données, parce qu'il y a une barre de pathologie, on a droppé chaque tranche d'âge et chaque sexe, une interprétation sur le sujet. D'accord, on a l'identité et la date du patient, la date de le sujet. Alors, au fait, je finis la date. Par exemple, un patient qui est hospitalisé pendant 2 semaines. Le 10 octobre 2017. Une IDM, par exemple. J'ai une infarctus du myocarde. Chaque jour, un sujet, je trouve, est-ce qu'il y a une amélioration ou non? Donc, le 11-10-2017, le Guinée belgique a une amélioration. Gagne de l'amélioration jusqu'à maintenant, donne un autre IDM, le 14. Par exemple, le 14 octobre 2017. Et cette la stabilisation complète. On a fait, on a 2 semaines, maintenant le 24 octobre 2017. Donc, les sujets, parce que le patient fait un cardiologue ou la hache. Il est très important pour connaître les moments de crise et les moments d'amélioration. Donc, d'accord, pour le papier, t'as le sujet, il est très important de connaître quelques informations. Le papier est constitué par des grands carreaux et des petits carreaux. D'accord. Le grand carreau est constitué par 5 petits carreaux. Chaque petit carreau, il y a indice de 0,04 secondes. Et le grand carreau, il y a un fois 5. 0,04 fois 5, il y a 0,2 secondes. Et 5 grands carreaux, de 0,2 secondes, il y a un autre bout, il y a 1 seconde. Il y a la mémoire fausse, la durée. L'amplitude, il y a la mémoire type, il y a un droit de millimètre sur millivolt. Mais l'indice de l'étalonnage est très important pour connaître la vitesse et l'amplitude de champs électriques, les gènes amènent l'électrocardiographie. D'accord? Les tabac le cœur ou le corps du patient. D'accord? L'état où nous avons besoin de pratique courant est de 10 mm par millivolt et de 25 mm par seconde. D'accord? هنا l'étalonnage احنا نقول في التحت كاع. D'accord? Où les dates et l'identification du patient elle est en haut. نبدا ندخلو donc onde par onde. L'onde P, نبدا par l'onde P, elle est toujours positive en D1, D2 et V5, V6. هذوما les places ركزوا مليح عليهم راهم يسقسوا عليهم في الكوسيام et تحتاجهم في البراتيك. L'onde P est positive en D1, D2, V5, V6. Elle est toujours négative en AVR. L'onde AVR, l'espace AVR, toutes les ondes sont négatives. L'onde P est négative. Le complexe QRS est négatif. L'onde T est négatif. D'accord? L'AVR, les ondes courantes sont négatives. Blacks, qui est grand positif, ça me fait compliquer un problème. Mais, c'est pas toujours un problème, parce que la VR va donner des indices, soit rana khallatna fi les électrodes, soit rana en état de situs inversus. Hnaya rana nchoufou lehnaya, rah les ondes en AVR rah ykounou, hnaya fi D1 rah win kent positif, hnaya gwa négatif, hnaya nchoukou bli kain une pathologie, kizidna chouvna la VR positif, hnaya khlas stentajna bli kain problème de réalisation de l'ECG seulement.
هنايا نشوفوا بلي لي زون رام بوزيتيف داكوغ، البي راهي بوزيتيف، الاغ راهي بوزيتيف داكوغ، رانا في ايطا دانفيرسيون دي زيليكترود. اذا عاودنا ودرنا لي زيليكترود في الميم بلاس تاعهم خرجت لنا نفس الريزلتا، دونك اون اون سيتوس انفيرسوس، معناتها هذا الباسيون ربي سبحانه وتعالى خلق لو كور نتاعو في لا بارتي دروا ماهوش في لا بارتي كوش. تبارك الله احسن الخالقين. داكوغ بور لوند بي لي انفورماسيون تاعها هنايا كيما قلنا عندنا دو بارامتر، سي لا دوري اي لامبليتيد، دوري على محور الفواصل باش تسهل لكم، وهذيك على محور التراتيب. داكوغ بور لا دوري دو دي دو راح تكون انفيريور ا 0.12 سكوند، معناتها 3 مليمتر، معناتها سون دو 3 بتي كارو. باردون سي با 3 كارو، معناتها راح تكون لنا كارو وشوية، معناتها تكون لوند بي تكون صغيرة بزاف. داكوغ اي لامبليتود راح تكون انفيريور او ايكال 2 مليمتر. داكوغ شوفوا مليح هذوما لي نورم، اي لا فورم تاعها الي اروندي، شغل كون نكملو لو سيرك تجينا شغل بيضاوية لا فورم تاعها. Comparément au blonde ST, les symétriques, là elle est symétrique. Donc les deux branches TH sont similaires. D'accord. Puis on a droit à quelques pathologies qui touchent l'onde P. On a d'abord par l'hypertrophie auriculaire gauche, qui touche l'oreillette gauche, où le problème est dans la durée. supérieur ou égal 0,12 secondes. Donc on a fait l'état normal inférieur total de 0,12 secondes en D2, le lieu de l'exploration. D'accord, qui maintenant nous trouve là. Et on fait l'état normal un carreau ou chouïa. On a très bon fait les trois petits carreaux. Donc on a une augmentation de durée. Et donc c'est un signe orientateur vers l'hypertrophie auriculaire gauche. Puis on a l'hypertrophie auriculaire droite. Là où il y a une défaillance au niveau de l'oreillette droite, par exemple par plusieurs pathologies. On citait comme exemple l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction de l'artère pulmonaire. Le sang désoxygéné marche le hagel les poumons pour faire l'hématose. Donc le poumon, elle va signaler l'oreillette droite au chevet d'idée, elle va augmenter le retour veineux, puis pour donner plus du sang vers, parce que l'obstruction elle n'est pas totale, d'accord, pour donner plus du sang désoxygéné, puis ça c'est l'hématose, puis ça le cœur, puis ça c'est là l'éjection au niveau des organes qui sont souffrir. D'accord, راح يولي يخدم الخدمه نتاعو اكثر من من الطاقة نتاعو، راح يدير لنا اون اتش تي ا بي اللي هي ليبرتونسيون ارتيريال بلمونير، راح يوصلها لو سون، لو سون راح يولي بزاف او نيفو دو لارتير بلمونير، راح يعطينا اون اتش تي ا بي، داكوغ سي ليبرتونسيون ارتيريال بلمونير، اي لو كور دروا او فينال الفا ديفايي، اي راح تصالو اون ديشيرمون دي موسكل، اي دونك اون هيبرتروفي اليتا فينال. كومون اون بو اكسبلوري، راح يكون لو بروبليم او نيفو دو l'amplitude, les gouttes vont être inférieures ou égales de 2 mm, d'accord, vont être supérieures à 2,5 mm. Maintenant, c'est déjà, on va une onde P ample, d'accord, donc elle va orienter vers l'hypertrophie auriculaire droite. D'accord, pour l'urythme cardiaque, on a quoi l'urythme cardiaque? On a deux types dans l'urythme, ou deux caractères pour identifier l'urythme cardiaque. Est-ce qu'il est sinusal ou non sinusal? Est-ce qu'il est régulier ou non régulier? On a d'abord sinusal. Est-ce que sinusal ou là? Pour dire que l'urythme cardiaque est sinusal, il faut chaque QRS est précédé d'une onde P. Maintenant, on a l'axe du QRS. لازم شاك كي راس لازم يكون مسبوق بونت بي، ما كانش اون ابسونس دو لونت بي. داكوغ كيما هنايا ها شاك كي راس مسبوق بونت بي، كي راس بي كي راس بي، وهي كيما هاك. داكوغ هنا نقولوا بلي لو ريتم الي سينوزال. داكوغ وقت نقولوا ريغولي
au pas régulier, du rythme cardiaque irrégulier lorsque les intervalles entre les deux P de le zone de P ne variaient pas de plus de 0,15 secondes au repos. Donc, en pratique, on utilise les ondes P parce que mes ben, je voulais les ondes P. Qu'un des ondes P, mes ben, mais on utilise les ondes, le complexe QRS. Un jeu de deux QRS. Par exemple, les nabinatons, 4 carreaux. D'accord? Puis, l'espace bin hada QRS, hada QRS sera 4 carreaux. هذا وهذا 4 كارو باسكو الكي ار اس يبانو افضل بالعين المجرده 4 كارو 4 كارو دونك الي ريغولي دونك لهنا في هذه الحاله نقول سيستم ريتم كاردياك سينيزال اي ريغولي باسكو سينيزال باسكو شاك شاك كومبلكس كي ار اس اي بريسيدي بار ان اونت بي اي ليسباس انتر لو دو كي ار اس الي ريغولير او سيميلار دونك لو تروزيام بارامتر سي لو فريكونس كاردياك هنايا راح نعطيكم لا 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 كيفاش نستعملوها بزاف في البراتيك. هنايا في الكور هذا مانيش حاب نركز على التيوريك، سي تان كور براتيك، اللي حاب يقرا التيوريك ما كاين حوايج راح نسوطيهم، راح نركز على البراتيك لهنايا. كومون كوم ان ايتيديون تو تخوازيام اني بوف بوف او بور انتربريتي ان سوجي ويبينوا بلي ان سوجي نورمال ويعرف كلكو باثولوجي. هذا هو هذا هو البيوت اي لانتيري من هذا الكور. داكوغ اون يوتيليز لو ميثود دو 300، هذه بالنسبه لي انا اللي نستعمل فيها سي دوزيام هذه، مي حتى الميثود دو 300 الي افيكاس. اون فيزواليز دونك لوند ار اللي هي هذه لي بلو امب داكوغ، اي لوند ار اللي بعدها داكوغ. اون كالكول لو نومبر دي غرو كارو بين لي دو زوند داكوغ. لهنا مثلا واحد زوج ثلاثة أربعة، نحسبوش هذاك النص داكوغ. هنا عندنا 4 كارو اي اون ديفيز 300 سور لو نومبر دو كارو داكوغ. زعما هنا 300 قسمت 4، مي انايا نفضل هذه هذه الدوزيام اللي نستعمل فيها انا. اون فيزواليز دونك لوند ار اللي هي نهز نفس الحكاية ليسباس بلوند ار، بوي نستعمل لون الكحل داكوغ. هنايا نعتبر هنايا فاسي باش يبان مليح، هنا ما تهزوش عن هذا الفراغ هذا اللي بين لو تخي تاع لو كارو وبين الكياس، هذاك ما تحسبوش كاع، ابداو من هنا، هذا اعتبرو زيرو داكوغ. كي نتحرك التري تاع لو كارو الاخر هي 300، puis qui est par tous les 150 puis tu 100 puis tu 75 au fil des temps هذه مازال ما وصلتش لو غرو كارو الاخر كيما هنا حفظهم هذوم لي نومبر 300 150 100 غريبسمون بينكم بعد تولي سريعين فيهم 75 بعد هنا 60 هنا مازال ما لحقتش ب 60 معناتها لهنا هنا راح تكون كاين 60 دونك لو فريكونس كاردياك كون بين 75 باتمون بار مينوت اي 60 باتمون بار مينوت. عايز لهنا هذين تقريبا ثلاث ارباع من لو غران كارو، ما راح تكون في جوايه 63 64 داكور. اون فا استيمي معناتها مش اذا كان لو باسيون الفريكونس كاردياك نتاعو 63 ولا 64 ما اختلفت ما تبدل والو داكور، الي اون ايطا دو ستابيليتي او لهنا ايطا دو برادي كارديا داكور. Le fréquence cardiaque correspondant à l'endroit au temps de l'onde R suivante. D'accord? C'est l'état le plus utilisé aux pratiques médicales. Puis on va parler sur l'intervalle PR. Il se mesure de début de l'onde P jusqu'à début du QRS. Manata l'onde P. D'accord? PR, l'onde P. L'IRV. Début de TH. Jusqu'à le winner yabdali le complexe QRS. C'est le segment PR. C'est le segment PR va donner des informations sur la conduction cardiaque. D'accord? Maintenant, qui fait l'état de la charge électrique du cœur. Est-ce que rahi tamshi de bonne qualité ou la rahi aqal min mu'tad. D'accord. La durée, elle est entre 0,12 et 0,20 secondes. D'accord? فهمت كيفاش تقيسو بلي سكوند داكوغ. شاك بتي كارو دو ايلي دو 0.06 ملي سكوند داكوغ. شي لي سوجي او سكوند شي لي سوجي فاغوتونيك اللي هو يكون عندهم ان بروبليم دون لو سيستيم نيرفو اوتونوم
sympathique. Oui, Nahmekesh, une recommande sympathique. Une recommande parasympathique. Il est toujours en état du bradycardie. Le rythme cardiaque est moins de 60 battements par minute. Et il est possible d'observer des PR ou l'espace PR allant jusqu'à. Pour la fréquence cardiaque, entre 70 et 100 battements par minute. Les normes, d'accord, tout le monde 70 à 100 battements par minute. D'accord, je me traduis que tu fais belle 60 battements par minute. Il est possible d'observer la il est possible d'observer des espaces PR allant jusqu'au 0,24 secondes. D'accord, très large, d'accord, il faut 0,20 secondes. Chez l'enfant, chez les enfants inférieurs à 10 ans, l'espace PR est plus court. Pourquoi? Entre 0,10 et 0,17 secondes. Pourquoi? Parce que le cœur, t'as les bébés ou les enfants en général, ils battent de façon rapide comparément le cœur t'as l'adulte. Donc, l'intervalle PR, elle est pas large, courte. D'accord? Nous avons donc le paramètre cinquième, le voilà l'axe du QRS. Sont des données théoriques. Tu donnes madame les angles pour le contrôle seulement. Mais là, on va la pratique. Comment? D'accord? On va la pratique. بالنسبة للطريقة براتيك راح نستعملوا دو بارامتر اللي هما الدي ان اي لا في اف. كيفاش راح نهزو لوند راح نهزو نامبورت كان كومبلكس دو كيو ار اس في الدي ان داكوغ يكون مثلا كيما هاك اي راح نهزو الكومبلكس دو كيو ار اس اللي يكون في la VF. D'accord? Nous avons la ligne isoélectrique, d'accord, qui sépare l'inférieur à la supérieure, qui m'a donné la ligne isoélectrique. Puis, nous allons dire, les petits carreaux ou les grands carreaux. D'accord? Nous allons qu'il y a un petit carreau ou un grand carreau. Selon l'état du sujet, fougue la ligne isoélectrique au-dessus et combien de carreaux au-dessous. D'accord. Par exemple, il y a trois carreaux, trois petits carreaux, voilà, trois carreaux au-dessus de la ligne isoélectrique. Donc, un 0 plus 3. Et il y a maintenant zouge. تحت la ligne isoélectrique. Nous la somme. Hadi moins 2, hadi plus 3, hadi plus 1. Le même chose pour D1. Madame Gina, plus 2, Gina moins 3, donc elle est 2 moins 1. Qui nous a donné le chiffre? Moi je dire, nous sommes le daïl mouthalati. En bas, d'accord, nous sommes tous les fibres. D'accord? Nous sommes le daïl mouthalati. هنايا عندنا 0 0 degré au moins de 90 de 80 degrés. هنايا عندنا هنا عندنا moins 90 degrés. هنا عندنا plus 180 degrés وهنا عندنا plus 90 degrés. D'accord. On peut faire ندير les paramètres نتاعي. هنا يكون D1 positif, هنا يكون عندي D1 négatif, na AVF positif, puis AVF négatif. Là, je vais faire comme l'image de télothorax. Je vais faciliter avec comme chadin tah. Donc, là, où je gonna, belle, les résultats, les fatos, il y a AVF, il y a maintenant plus 1, avec il y a moins 1. Rohan qui est D1 négatif. Ah, D1 négatif. D'accord?
وعندي لا في اف بوزيتيف معناتها راني في هذا الربع داكور لهنايا بور فاسيليتي لي شوز هذا يكون لو بارتي غوش هذا نورمال وهذا كول لا بارتي دروا Il rassemble le téléthorax. Le téléthorax, c'est le champ pulmonaire gauche ou le champ pulmonaire droit. D'accord ? C'est là. C'est similaire. Je vais vous dire que je vais vous dire que le téléthorax. Ou je vais vous dire que gauche, je vais vous normal ou la partie col droit. D'accord ? L'état, l'axe du cœur est droit. Donc, parce que j'ai fait le bas, tu as le droit. D'accord. Pour les deux principes, pour calculer l'axe du QRS, on a deux principes simples. C'est l'axe du QRS et les perpendiculaires à la dérivation nulle et l'axe du QRS à la direction de la dérivation la plus ample. D'accord ? On a la différence. Vous pouvez me dire que vous tapez cette vidéo ou que vous faites pression à le sujet. C'est très simple. Vous pouvez me dire que vous le de un commentaire sur la différence. QRS D1 et QRS AVF puis rahdiru le tosmo qaida le tosmo dal mthalathiya taakom w taarfou wach men rouba nta rakom et diru l'axe du QRS d'accord hada on des exemples qui te tahbsou les vidéos djawbou fi les commentaires on ansah lkom pour le sujet 1 et le sujet 2 et tkhallou les réponses taakom D'accord, donc les différents angles plus détaillés, mais aussi comme le 0, 180 et 90 et moins de 90, qui m'a semblé comme les normes des tâches. Donc pour le QRS, il est constitué par trois segments habituellement. L'onde Q, c'est la première déflexion. Donc c'est la première déflexion négative précédant l'onde R. On a cette onde R le plus ample. On a une onde, il y a l'onde Q, la onde négative, il y a cette. D'accord. L'onde R, elle est le plus ample, c'est la première déflexion positive, bien sûr, elle est positive parce qu'elle est située au-dessus de la ligne isoélectrique. Et l'onde S, c'est la deuxième déflexion négative qui suit l'onde R, d'accord. C'est l'onde S. C'est l'onde S. C'est la deuxième déflexion négative. Puis on a, les ondes sont doublées. Il y a 2R ou 2S ou 2S ou 2R. D'accord. C'est la deuxième déflexion positive. On a des cas qui sont. Oui, il y a R, du petit R et grand R. D'accord. Le petit R, il y a la place de l'onde Q. D'accord. Il y a Q, Mackensh, il y a une R, puis. Il y a un R sur la place Q, un R l'original et un l'onde S. C'est la même chose pour l'onde S prime. Pour le complexe, je donne un avis parce que vous interprétez un sujet. C'est l'aspect dans la dérivation précordiale au niveau thoracique. V1, V2, V3, V2. V4, V5, V6. D'accord. En V1, V2, on va voir l'onde R. L'onde R, on va voir à quel l'onde S. Donc l'onde S va être plus ample, soit négativement, à quel l'onde R. En V1, V2. En V5, V6, on peut voir l'aspect normal de la QRS, le mal finalé. Et au niveau V3, V4, on va voir l'onde R, l'amplitude, il y a une fois l'onde S. D'accord, qui m'a raconté maintenant, belli l'onde en V1, là il connaît l'onde P, l'onde S, là il acquiert une l'onde R, qui m'a bien fait V1, puis en V4, on a un chauffe l'aspect normal de la QRS, et au niveau de V5, en V5, V6, on a un chauffe l'aspect normal, en V4, on a le goût l'air est égal à S, maintenant l'amplitude là tu connais kiff. Pour l'onde Q, elle va donner des informations sur
Est-ce qu'il y a une ischémie tissulaire au niveau du myocarde ou non? D'accord? Elle va donner des informations sur la nécrose myocardique de la paroi, la durée de heart supérieure à 0,04 secondes et l'amplitude. Tellement il y a de bench, l'amplitude d'une heart le quart de l'onde R. C'est vraiment, elle serait la bizarre l'onde Q. D'accord? C'est pour l'onde Q. Et l'onde, pour l'onde, les données pathologiques, d'accord, où l'onde Q va donner une information sur la nécrose. L'état normal est inférieur à 0,04 secondes et l'amplitude est le quart de R, mais à l'état pathologique, est supérieur à l'énorme. Pour la durée de complexe du QRS, elle varie de 0,06 et à 0,10 secondes. Sa mesure de début du QRS, maintenant, on va faire la mesure de début du QRS et jusqu'à la fin de l'onde S ou R. Le QRS ne va pas être là, ce n'est pas d'accord? L'onde S elle est absente, il va y avoir QR, ma kanch S. C'est état normal, d'accord? Selon les cas. D'accord? Là, on va calculer les petits carreaux. On a chaque petit carreau à 0,02 millisecondes. D'accord? Et 0,02 secondes. Et on va calculer les normes. D'accord? On trouve est-ce que le QRS est large ou non. D'accord? Elle est large. On a 0,06 jusqu'à 0,10. On a مش لازم يفوت 0,10 باش نقولوا عليه راه لاش سي ديجا فات لنا 0,7 معناتها هذا الانترفال اللي قد يكون وسطه معناتها لهنايا اذا بداني من 0,8 مثلا هنا هاكي 0,07 ومن بعد 0,08 سي ديجا بدا نذير خطر بلي كاين ان كيو ار اس لارج داكوغ لهنا دوك راح يبان لنا في لي سوجي هذا الكيو ار اس قلنا من بدايه لوند كيو جوسكا لوند S, d'accord, les nains de l'espace a aussi déjà fait 0,08 secondes. Qui m'a goûté qu'on bobille petit cas. Puis on utilise des indices, qui est des indices qui va orienter vers des pathologies dans les dérivations précordiales. Et c'est le premier indice, c'est le rapport de R sur S. D'accord, comme en V1, V2, l'onde S, elle est ample comparément à l'onde R. Et en V5, V6, il y a l'aspect normal du QRS. V3, V4, il y a un similaire. D'accord. Là, dans l'état normal, il y a un plus de 1. D'accord. En V1. Et il y a un plus de 1 en V5, V6, parce que là, il y a un plus de 1, il y a R sur S. Là, dans V1, V2, il y a un S plus de R. Donc, qui est plus de maqam, il y a تعطينا اون ريزولتا انفيريور ا 1 كي يولي في 5 في 6 راح يدير لنا لاسبي نورمال دو كيو ار اس وين لوند اس ار راح تكون اكبر من لوند اس راح يولي اون اون دوني راح تكون الريزولتا سوبيريور ا 1 وكان دي كا وين تكون سوبيريور ا 2 اون في 6 اي سوبيريور ا 3 اون في 7 وانا كون ما زدنا في 5 في 6 في 7 راح تزيد لوند لوند ار ولوند اس تقريبا ماش تولي تبان داكوغ انطلاقا من هذوم لي نورم راح نعرفو لي باثولوجي دونك سي دو ديزولي الكو راح يكون شوي طويل جو في لو ماكسيموم باش تفهمو ما يهمش في قداش راح تتفرجوا الفيديو مي المهم انكم تخرجوا فاهمين اي بوفي انتربريتي ان سوجي داكوغ اي راح نخلي الملخص اللي قريت به هنا خدمت الملخص هنخليه في القناه تاعي تاع التليجرام يلخص الهضره هذه كل باش تشدو شغل ان شيما كي تولي تشدو ان سوجي تتذكروا هذاك الملخص باسكو الكور شويه معقد داكوغ اي فو بوفي انتربريتي ان سوجي دونك les pathologies donc le rapport hadarna le rapport fait l'état normal les pathologies وين راح يولي لي لو رابور en V1 راح يكون inférieur à 1 راح في l'état pathologique راح يكون supérieur à 1 معناتها هنا elle va orienter vers l'hypertrophie ventriculaire droit شوفوا كيفاش هنا قلنا باللي الاس راح تكون اكبر من الار لهنا تقلبت الحداثه ولات الار
elle est supérieure à l'S. علاش هذا عطانا l'indice de R sur S supérieur à 1. D'accord. C'est une orientation vers l'hypertrophie ventriculaire droite. Aussi, on a un autre indice, l'indice de Sokolow-Leon. Donc, c'est un indice qui est utilisé pour explorer l'état de l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc l'HVG. D'accord. L'onde S en V1. Et sur l'amplitude de Taha, ou roche l'onde R en V5 ou V6, qui m'a très beau, ou sur l'amplitude de Taha, on va dire la différence. D'accord. Les normes de Taha, qui dit la différence, les normes, rachikounou inférieures à 45 mm pour les hommes, les gens, les connus inférieurs à 50 ans, inférieurs à 50 ans, ou les connus à 50 ans, rachikounou inférieurs à 35 mm. Pour les femmes, qui m'a dit les sexes sont différents. Pour les femmes inférieures à 15 ans, elles sont plus de 40 mm et supérieures à 15 ans, elles sont plus de 35 mm. Un autre indice utilisé pour explorer l'HVG comme ce colo, il est l'indice de Cornell. L'indice de Cornell, on a en V3, l'onde S en V3, c'est pour l'amplitude Taha, et l'onde R en AVL. D'accord? L'onde L en AVL. Et nous voyons la différence. Pour les normes, il sera inférieur à 28 mm pour l'homme et pour la femme, il est inférieur à 20 mm. Puis on va parler sur la déflexion intrazycoale. Donc elle se mesure du début de l'onde Q, l'onde Q, au sommet de l'onde R ou R+, qui est la 2R, l'état de l'adrenalia, ou de dernier crochetage de R si l'onde R est crochetée. D'accord? هنا هذه لي طال نورمال هنا هذا هو لا ديفليكسيون معناتها من كي جوسكا لو سومي تاع ار وهنايا وين يكون عندنا 2 داكور هنايا راح ننقصوا حتى لا دانيير ار وين راح يزيد لنا لسباس راح تولي لنا هذا لسباس كومبلي ال اكسبريم لو طون كو مي لوند دو ديبولاريزاسيون معناتها لوند دو سيستول à parcours le myocarde de l'endocarde à l'épicarde, qui m'a donné la dépolarisation de l'endocarde à l'épicarde. La couche la plus externe vers la couche la plus interne aux couches la plus externe. Donc, c'est une onde positive. Sa valeur est de 0,03, donc, à l'âge qu'on a positif, donc, de 0,03 secondes en VL, en V1, pour le ventricule droit, et 0,05 secondes en V6 pour le ventricule gauche. Pour le segment ST, de la fin de le segment ST, c'est utilisé qui m'a dit en le cours la ouline t'as la simulologie cardiaque t'as les douleurs thoraciques pour le syndrome coronarien aigu pour explorer un EDM, l'infarctus du myocarde. Donc en rouge direct, nous trouvons le segment ST. Donc le segment ST passe la fin de l'onde S où on intègre le complexe du QRS, d'accord, OR qui est le maquillage final, c'est les points G et Samoa, jusqu'au début de l'onde T, d'accord. Et les isoélectriques, la ligne isoélectrique qui est comme tu vois, est horizontale, parfois légèrement oblique. Tu comprends, très oblique, mais ما تكونش بزاف معناتها كيف راح تفرقوا بين لوبليك ولي طاباتولوجيك راح تشوفوا باللي هنايا في لي طاباتولوجيك راح نشوفها في الدوزيام كا فور لا بروميير كا راح تكون عندي لا سي بلس سي لا سو ديكالاج دو لوند اس تي غاتمد لي اون ليزيون سو اون دو كارديك معناتها الفا توشي لا كوش لو بلوس اكسترن اي فا هذه لي طا الي كيف نقولها لكم Elle est très significative et les signes cliniques parce qu'elle touche l'endocarde, oui, non, c'est la couche plus interne. Elle est très intense les signes cliniques. Elle va donner des signes vrais à l'EDM sur le patient. Pour les sus décalage ou l'ST+, d'accord, on a le land elle est plus augmentée. On a un facteur oblique. On a un facteur significatif. D'accord. C'est une vision sous-épicardique et va toucher l'épicarde, c'est pas l'endocarde. Elle est, les signes cliniques, à
La gravité, mais l'estimant. D'accord? L'état là. L'onté, c'est la période de la repolarisation ventriculaire. On va donner une information sur le diastole. D'accord? L'onté est asymétrique, mais ce qui m'a l'onté. L'onté, elle est asymétrique. Fait enfin, trois branches. Fait enfin, la branche ascendant légèrement oblique, ascendant, elle est très lente, ça le branche lente. Et on a le sommet, elle est plus ou moins arrondie. Elle est le sommet. Et avec le branche descendant, il est le plus rapide. Maintenant, comparément à l'ascendant, je peux acheter le temps. D'accord? Il y a par exemple, j'achète 3 carreaux. Il y en a, j'achète un carreau et demi. Donc, elle est plus rapide. C'est le branche descendant. Donc, pour l'onde T, elle est toujours positive en D1, D2 et toujours négative en AVR. Quand je fais l'onde P, d'accord? Négatif des autres cas physiologiques en cas dans V1, V1 et V4 chez l'enfant inférieur à 12, à 12 ans et chez la femme en V1 et V4. D'accord? Pour les états pathologiques talentés, elle est ample. Et symétrique, on appelle asymétrique lorsqu'elle est maintenant ample, maintenant l'amplitude est plus grande que l'état normal, comme une couleur comme qui manque. C'est normal. Et elle est plus ample et asymétrique. Et symétrique. L'état normal, elle n'est pas symétrique. On a fait la branche ascendant lente et branche descendant. Rapide. Donc, mais ça compte symétrique. Mais l'état pathologique, car ça compte ample et symétrique, va donner une information qu'il y a une ischémie sous-endocardique. D'accord? D'accord? Elle va orienter vers l'EDM. D'accord? Et l'onde T, lorsqu'elle est négative, c'est une ischémie sous-épicardique. Pour l'intervalle QT, mesuré dans D2, V2 et V5, je fais une liste de la démonstration de l'équation et je vais faire le pratique. La valeur est la plus longue de rêver d'être réduite. Donc, pour l'intervalle QT, nous avons une forme, l'intervalle QT corrigé, pour calculer une norme estimée pour les différents sexes et les différentes tranches d'âge. D'accord? هنايا واش راح نديرو؟ هنايا هذا هو لوند كي تي قلنا باللي راح يكون من كي جوسكا تي هذا هو الكي تي داكوغ واش راح ايتيغال هنا الكي تي كوريجي ايتيغال لسباس كي تي سور لا راسين دو تاع لسباس بين لو دو زوند ou les deux ondes de R. D'accord? C'est l'intervalle RR. Donc, le QT corrigé est égal à QT sur la racine de l'espace entre l'onde R et l'autre onde libérale. Donc, le QT est variable en fonction du sexe et de la fréquence cardiaque. L'homme mange qui mal la femme et la fréquence cardiaque. Donc, je vous les fréquences cardiaques, l'indice. De nombreuses méthodes ont été proposées pour la correction de l'intervalle QT en fonction de la fréquence cardiaque. Donc, la formule selon la fréquence cardiaque. La plus couramment utilisée, c'est la formule de Bazet. D'accord? Cette correction n'est pas validée et une bradycardie intense, la fréquence cardiaque est inférieure ou égale 40 battements par minute. C'est déjà en état d'urgence. Ça en a fait état de choc là, hein, ou supérieur à 120 battements par minute. Pour les limites, on a les limites supérieures pour évoquer un QT allongé. D'accord? Et maintenant, c'est le QT elle est large. Lorsqu'il est de supérieur ou égal de 470 millisecondes chez l'homme et supérieur ou égal 480 millisecondes chez les femmes. Limite inférieure, je vais vous dire QT courte, donc elle est inférieure ou égale 320 millisecondes. Qui m'a raconté le R court, merci pour votre attention. لين ده يسؤال كم قد يطرحه وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله